chrysolithique, donc qui était présente en Europe pendant des millénaires avant, c'est des gens qui ne produisent pas leur nourriture. D'accord ? Donc ils se nourrissent de chasse, de collecte de fruits, de collecte d'animaux sauvages, et ils ont un habitat assez léger, puisque ce sont des populations qui sont en partie nomades, plus ou moins nomades en fonction des périodes et en fonction des lieux, mais en tout cas qui ont un parcours saisonnier au cours de l'année, et donc forcément des habitats un peu légers. Et au néolithique, on va y revenir un peu plus longuement, on a un basculement et on change complètement de monde. Alors le néolithique, il apparaît en plein d'endroits différents dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est lié strictement au réchauffement climatique, ce serait beaucoup trop simple, sinon ça apparaîtrait partout au même moment, évidemment. Le néolithique, vous voyez, ici, il se caractérise principalement au départ par la domestication des plantes et des animaux. Et vous voyez, par exemple, sur cette carte ici, toutes les différentes espèces de céréales, principalement, qui ont été domestiquées dans le monde, avec en rouge les différents foyers de domestication et les dates qui correspondent selon les endroits. Vous voyez que, par exemple, en Chine, on a des choses qui se mettent en place dès le 9e millénaire avant notre ère. Tandis qu'en Afrique subsaharienne, on a des choses qui se mettent au 4e millénaire. Donc c'est quelque chose qui est très disjoint dans l'espace et dans le temps. Et puis vous avez également ici la carte des différentes espèces animales qui ont été domestiquées, pareil, en différents endroits et en différents moments. Donc ce qu'il faut retenir en fait de cette carte, c'est qu'il y a des foyers de néolithisation, il y en a plusieurs, et qui ne sont pas du tout synchrones les uns avec les autres, et même que la domestication des plantes n'implique pas forcément la domestication des animaux. D'accord ? Ce sont tous des processus distincts. Oui, alors je vous ai mis un petit encart ici, parce que en fait, je me suis rendu compte que des formations, en quelque sorte, toutes les dates, elles sont suivies de BCE. C'est simplement un anglicisme pour dire avant notre ère. D'accord ? Donc, voilà, c'est... Le néolithique, pour l'Europe, pardon, si je reviens sur cette carte-là, vous voyez que pour ce qui est de l'Europe, il n'y a pas de foyer local de néolithisation. D'accord ? La néolithisation de l'Europe est tributaire de ce qui se passe au Proche-Orient. Et au Proche-Orient, on a longtemps dit que le néolithique était apparu de ce qu'on appelle le croissant fertile. Alors en réalité, c'est inexact. Et c'est notamment ce que montre cette répartition des espèces sauvages, des céréales qui vont être domestiquées. D'accord ? Donc vous voyez que les différentes taches de couleur, en réalité, sont beaucoup plus larges que le simple croissant fertile, et que c'est quelque chose qui se passe plutôt sur la frange, ici, entre la mer Méditerranée et la mer Caspienne. Donc voilà, donc le foyer qui va nous intéresser, c'est celui-ci. Et le néolithique, c'est également quelque chose qui apparaît au cours d'un processus qui est très long. Hein, ce n'est pas du jour au lendemain, les gens se sont mis à domestiquer les plantes et les animaux. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une très longue durée. Et les premiers indices qu'on voit de transformation de la société, des sociétés de chasseurs-collecteurs qui étaient sur place, c'est déjà, la première étape, c'est leur sédentarisation. Et la sédentarisation de ces groupes, c'est-à-dire que progressivement, ils vont arrêter d'avoir des parcours saisonniers et ils vont avoir suffisamment de ressources en un même endroit pour pouvoir s'y installer à l'année et vivre de la collecte de ressources sauvages. D'accord ? À ce stade-là, il n'y a pas de production d'alimentation. Hein, c'est toujours des espèces sauvages. Et là, vous voyez, on est entre 12 et 10 000 ans avant notre ère. Et puis, progressivement, on va assister à la domestication donc des premières céréales, autour de 9 000-8 000 avant notre ère. Et pareil, ça c'est un processus qui est très long. Et puis, un peu plus tard, entre 500 ans, un millénaire après, on a les premières domestications animales également qui se mettent en place. Et puis, c'est encore un millénaire plus tard quasiment que... Bon, en fait, à part de la poterie, on s'en fiche un peu, mais en tout cas, que vers 7000 ans avant notre ère, le néolithique va commencer à diffuser vers l'Europe occidentale. Autrement dit, le foyer de néolithisation proche-orientale, c'est quelque chose qui s'inscrit sur environ 5000 ans, d'accord, entre les premiers indices qu'on en voit apparaître et le moment où ça commence à diffuser vers l'Europe. Donc c'est vraiment un processus qui s'inscrit dans un très long, très profond, quoi. Alors la question qu'on peut se poser aussi sur ce qui se passe au Proche-Orient,
On va le faire très rapidement parce que ce n'est pas le cœur du sujet. C'est pourquoi, d'un seul coup, ces groupes se mettent à se sédentariser et se mettent à produire leur nourriture domestiquée, plantes et animaux. Il y a eu tout un tas de théories sur le sujet. Il y en a encore tout un tas, évidemment. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une explication simple. C'est une conjonction de facteurs qui, mis les uns à côté des autres, en fait, entraîne le bouleversement de ces sociétés. Si on fait le tour de cette frise, on peut déjà dire que il faut un environnement favorable. Déjà, ne serait-ce que pour la sédentarisation, ça veut dire que les groupes de chasseurs qui commencent à se sédentariser sont dans un environnement suffisamment riche pour pouvoir, toute l'année, y compris à la mauvaise saison, ce qu'on appelle nous la mauvaise saison, avoir des ressources suffisantes pour nourrir un groupe. On peut dire également que donc cette production de nourriture accrue, en quelque sorte, entraîne une pression démographique, c'est également lié à la sédentarité, puisque du coup le taux de fertilité monte. Progressivement, du coup, ça donne des habitats plus ou moins agglomérés. On a évidemment une évolution des techniques qui est nécessaire également, puisque pour produire des céréales ou élever des animaux, il y a forcément un changement technique qui va derrière. Et puis, il y a également toute une évolution culturelle qui sous-tend la société, puisque en fait c'est le rapport des individus avec le monde qui les environne qui change complètement de tout au tout. D'accord ? Ça, on va y revenir. Et c'est quelque chose qu'on voit bien au Proche-Orient, où on bascule dans le domaine des symboles. Il y a un livre, je ne sais plus de quand il date, dans les années 80-90, qui en a bien fait le tour, où on change en fait complètement des symboles. On quitte le monde, pour faire très simple, le monde masculin, pour un monde où c'est plutôt le féminin qui domine dans le domaine des symboles, et où le taureau prend une importance accrue dans le domaine symbolique des animaux également. Bon, voilà grosso modo, en fait, vous voyez, c'est tout un tas de changements, d'évolutions qui sont nécessaires pour que progressivement les sociétés se néolithisent. Alors après, le néolithique, il amène donc tout un tas de bouleversements qu'on va retrouver donc aussi bien dans le foyer proche-oriental que sur toute l'Europe au fur et à mesure de son déploiement. Donc on en a déjà parlé, c'est donc tout ce qui est sédentarité, mais qui dit sédentarité dit également le changement complet de la façon de construire son habitat, puisqu'entre un habitat de type tipi, pour faire simple, qu'on peut, si on fait un anachronisme, qui était peut-être celui des chasseurs-collecteurs semi-nomades, on passe à de la maison où systématiquement on a l'emploi de bois, de terre, de pierre pour construire un habitat solide. Et également des habitats agglomérés, donc vous avez plusieurs familles qui se rassemblent et qui restent pendant longtemps au même endroit, et puis on va progressivement également passer à des habitats qui vont être ceinturés ou défensifs. D'accord ? Donc vraiment des choses qui s'inscrivent lourdement dans le territoire. Donc ces sociétés néolithiques, elles se mettent progressivement donc à domestiquer les céréales et à les cultiver. Et cultiver des céréales, ça implique également des changements dans le domaine technique, ne serait-ce que pour pouvoir les couper. Donc on voit apparaître des faucilles, qui sont des pièces, des manches en bois dans lesquelles sont insérées, donc soit en épi comme ça, soit longitudinalement, des lames de silex qui vont vous permettre de couper les céréales, de les ramasser. Une fois que vous avez coupé votre céréale, il faut en faire de la farine le plus souvent. Donc c'est à ce moment-là également qu'on voit apparaître le matériel de mouture, d'accord, pour broyer ces céréales et les rendre transformer. Et on voit également le développement de ce type de fosse. Alors c'est pas la plus explicite celle-ci, mais c'est des fosses. Celle-là n'en est peut-être pas un d'ailleurs, mais c'est des fosses silos, c'est-à-dire des fosses qui sont étanches, en quelque sorte, à l'air et à l'eau, en gros, et dans lesquelles on va stocker les céréales d'une année sur l'autre pour pouvoir soit faire des réserves, soit les conserver pour pouvoir les replanter derrière. Et donc forcément, vous pouvez avoir des silos qui vont être isolés, mais la plupart du temps, quand vous commencez à creuser des grosses structures excavées comme ça pour stocker des choses, ça veut dire forcément que vous restez sur place aussi. C'est des indices de sédentarisation également. Entre les deux mondes, entre le monde mésolithique et néolithique, ce qui change aussi énormément, c'est le rapport à l'animal. Puisque, alors là, c'est des images pour l'Europe occidentale.
Mais disons que les sociétés traditionnelles de chasseurs-collecteurs, en fait, elles vont baser leur rapport en alimentation animale sur la chasse. Alors, différentes espèces, les trois principales qu'on peut citer pour nos contrées, c'est en gros c'est l'auroch, le sanglier et les cervidés, cerfs, chevreuils. D'accord. Donc ça, c'est traditionnellement ce qu'on trouve dans les cortèges fauniques des sociétés de chasseurs. Et puis avec le néolithique, en fait, ils vont progressivement se mettre à domestiquer ce qu'on a appelé la triade domestique, à savoir donc les moutons, les chèvres, qu'on n'est pas toujours capable de distinguer d'un point de vue ostéologique, donc on parle de moutons, chèvres en général, de caprinés, les cochons et les vaches. Donc déjà, cette domestication montre un changement, un basculement par rapport au statut de l'animal dans leur société, mais ce n'est pas parce qu'ils les élèvent qu'ils vont forcément les considérer comme des apports de nourriture. Les sociétés néolithiques, longtemps, vont continuer à pratiquer la chasse et à baser l'essentiel de leur alimentation carnée sur les espèces sauvages, malgré la présence d'espèces domestiques parmi leurs ressources. Alors, ils vont aussi manger des espèces domestiques, hein, évidemment, mais c'est pas le seul but, voire le but principal de ces troupeaux. Et le statut à l'animal, il change en partie parce que pour pratiquer l'agriculture, il y a plusieurs conséquences sur le très long terme, hein, on se place. Alors la première conséquence, c'est qu'il faut défricher pour pouvoir mettre des champs, d'accord. Et donc c'est là qu'on voit apparaître les lames de hache polie, qui donnent le néolithique, hein, la nouvelle pierre. Voilà, donc qui ont servi à défricher les champs. Alors au début, ces champs sont pas c'est pas la Beauce, hein, d'un seul coup, c'est des champs qui vont être des petites clairières aménagées, des choses comme ça. C'est plus des grands jardins peut-être, mais progressivement l'impact sur le sol de l'agriculture va se développer et on va voir apparaître des systèmes comme l'ARER, hein, qui vont permettre de retourner des surfaces arables plus importantes, et où là l'animal du coup il est considéré comme une force moteur, quoi. C'est un outil, quoi. Et puis bon, après à plus long terme, à la fin du néolithique, on verra apparaître également la roue pour le transport. Donc en fait l'animal n'est plus considéré simplement comme une ressource carnée ou même pour la peau, ce genre de choses, c'est aussi un moyen, un outil de travail. D'accord. Qui est quelque chose qui est complètement disruptif en quelque sorte par rapport au mésolithique. Quoi. Dans les autres changements qu'on voit également avec le néolithique, c'est l'apparition, en tout cas la banalisation, on va dire, de la céramique. Alors il existe des céramiques dans les groupes de chasseurs-collecteurs mésolithiques, hein, pas énormément, mais ça existe. Mais en tout cas, cette céramique qui doivent être un peu encombrantes quand vous devez bouger régulièrement dans l'année, là, avec la sédentarisation, pareil, va se développer énormément et va servir à la fois en termes de contenant de stockage, de vaisselle de table, de vaisselle à cuire, etc. Et on voit apparaître également très tôt des céramiques très particulières, par exemple ce genre de choses, qui sont en fait des faisselles qui vont vous permettre de fabriquer du fromage. Et là, pareil, fromage, produit dérivé des animaux domestiques. Hein. Et puis, bon, je vous les ai mis parce qu'elles sont jolies, c'est des cuillères en bois, qui datent du tout premier néolithique espagnol, quoi. Donc, qui sont des choses qu'on retrouve que dans des contextes très particuliers, parce qu'il faut que le bois se conserve. Mais voilà, c'est pour avoir conscience aussi que ce qu'on retrouve d'un point de vue archéologique fait l'impasse quasiment systématiquement sur tout ce qui est ressources organiques, puisqu'elles disparaissent. Hein. Donc on a une vision en plus assez tronquée de l'outillage et du quotidien de ces populations. Malgré tout, donc ce qu'on voit, vous voyez, c'est que ça fait quand même beaucoup de changements par rapport aux sociétés précédentes. Et l'une des conséquences importantes également de du développement du néolithique, c'est un impact environnemental croissant de l'homme sur son milieu. Alors lié déjà au défrichement, que ce soit par à la hache ou au feu, par exemple, pour l'entretien, pour ouvrir l'espace. À l'impact des troupeaux également sur les paysages, etc. Donc un impact environnemental qui va ne faire que croître avec le néolithique. Et qui ne va faire que croître également parce que l'une autre des conséquences du néolithique, c'est une augmentation forte de la population, de la démographie. Ce graphe, bon, les chiffres, ils n'ont pas grande valeur, mais enfin ce qu'il faut retenir, c'est que vous voyez, on a une croissance très lente ici durant les périodes anciennes de la préhistoire. Et d'un seul coup, avec le néolithique, une croissance qui est totalement exponentielle pour arriver là où on en est aujourd'hui.
Un autre exemple de cette croissance démographique, c'est quand on regarde simplement le nombre de sites, par exemple, dans une même région, entre les périodes anciennes et les périodes plus récentes. On voit l'accroissement de la démographie. Et donc, qui dit accroissement de la démographie, dit à nouveau un impact environnemental plus fort, etc. Cette augmentation de la densité de la population est peut-être aussi l'un des moteurs justement de diffusion du néolithique, puisque si, quand vous imaginez que ce néolithique donc, il va se déplacer, il va s'étendre d'ouest en est, et quand les premiers groupes, quand les groupes d'agriculteurs arrivent à un endroit, bon, ils s'installent, ils exploitent leur milieu, puis petit à petit leur groupe va croître, et au bout d'un moment va arriver à un niveau de rupture par rapport à la technologie disponible pour produire la nourriture, etc., ce qui va peut-être permettre l'essor de ces groupes vers d'autres directions. Cette dernière carte, c'est juste pour vous, on s'en fiche hein, de ce que ça représente, c'est juste pour vous dire aussi que ces communautés, donc elles s'étendent sur toute l'Europe très rapidement, et c'est des groupes qui restent très interconnectés les uns aux autres. Hein, c'est pas parce qu'on est au 6e millénaire avant notre ère que les gens ne bougeaient pas de chez eux. Vous voyez ici, par exemple, avec les taches vertes, c'est des lames de hache qui proviennent de cette région-là en Italie et qu'on retrouve jusqu'en Angleterre du Nord. D'accord ? Donc il faut s'imaginer que ce n'est pas des pauvres hères qui vivent dans une clairière, hein, c'est vraiment des gens qui sont insérés, des sociétés qui sont connectées et avec énormément de mouvements. On retrouve aussi régulièrement, par exemple, dans le sud de la France, des parures qui sont en ambre, qui viennent de la Baltique. Hein, donc c'est des choses qui sont tout à fait classiques. Donc les distances n'induisent pas un isolement des gens. Donc tout ça pour dire que ce néolithique, vous voyez, c'est donc tout un tas de changements qu'on a passé rapidement en revue, comme ça, qui apparaissent progressivement, et donc avec une apparition au Proche-Orient et une diffusion progressive vers l'ouest de l'Europe. Cette diffusion, pendant longtemps, on a parlé donc déjà de révolution néolithique, ça je ne vous ai pas dit, mais vous voyez bien que sur des processus aussi longs et aussi graduels, c'est tout sauf une révolution, hein, évidemment. Le rapport au monde bascule complètement, mais ce n'est pas une révolution. Et la diffusion du néolithique vers l'ouest, les premières théories dans les années 60 montraient, on parlait de la vague d'avance du néolithique avec quelque chose d'extrêmement régulier. On avait même calculé le fait qu'ils avançaient d'un kilomètre et demi par an pour atteindre les rives atlantiques. En réalité, c'est un processus qui est beaucoup plus compliqué et arythmique. Donc là, sur cette carte, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir deux voies de diffusion principales vers l'Europe occidentale. Donc le foyer d'origine est ici. Ça va gagner l'Anatolie après un certain temps d'arrêt. Et une fois en Anatolie, on va basculer sur les Balkans. Et donc on va avoir une voie continentale qui va suivre le Danube, grosso modo, hein, comme ça, pour atteindre les rives de la mer du Nord et de la Manche. Et on va avoir également une voie méditerranéenne qui va suivre les côtes comme ça progressivement et pour atteindre le Portugal vers 5400 avant notre ère. Cette voie méditerranéenne, c'est celle sur laquelle on va s'arrêter un peu maintenant pour essayer d'en définir un peu la nature justement de cette voie et les moyens dont elle a, qui ont permis cette diffusion. Puisque si on ne s'interroge pas trop sur savoir comment ils ont fait là pour aller de là à là, hein, ils ont marché, bon voilà, très bien, pour aller coloniser la Crète, la Sardaigne ou la Corse, c'est pas le même topo, d'accord ? Et c'est pas le même topo parce que, par exemple, ici, sur ces cartes, je vous ai mis la ligne rouge, le trait de côte rouge, correspond grosso modo au trait de côte à l'époque des premières implantations néolithiques. Puisque vous savez qu'après la dernière glaciation, le niveau de la mer est remonté, il remonte encore. Hein, au maximum glaciaire, la mer était 130 mètres plus bas qu'à l'heure actuelle. Donc, et là, au néolithique, par exemple pour la Corse, le niveau de la mer était une dizaine de mètres plus bas, mais vous voyez que ça ne change pas grand-chose en fait. On reste à peu près sur le même trait de côte. Et puis pour l'île de Chypre, par exemple, où c'est plus ancien, c'est une vingtaine de mètres plus bas, mais pareil, ça change à la marge. Ce qui fait que quand les gens... Quand les néolithiques sont partis conquérir ces îles, ils l'ont fait forcément en bateau. Et les distances que vous voyez ici, qui sont indiquées donc, au plus proche, hein, on ne sait pas si c'est par là qu'ils sont passés, mais c'est les distances les plus courtes, ça fait voilà, 60 km dans un cas, 80 km dans l'autre. Ça fait à peu près
45 000 nautiques, pour rester dans le domaine maritime. 45 000 nautiques, un voilier actuel, alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais la vitesse moyenne d'un voilier actuel, c'est à peu près 4-5 nœuds. Un nœud, c'est 1 000 à l'heure. Donc ça veut dire que pour faire ces distances-là, si un voilier moderne, il a le vent bien comme il faut, caméra pas trop agitée, il va mettre au minimum une dizaine d'heures. D'accord ? Donc vous imaginez que les bateaux préhistoriques n'allaient pas forcément à l'allure d'un voilier moderne en aluminium. Et donc il faut sans doute multiplier ces temps de distance, ces temps de traversée, pardon, par un facteur que j'ignore complètement et qu'on connaîtra sans doute jamais, mais en tout cas, peut-être une vingtaine d'heures, voire plus d'une journée, quelque chose comme ça. Ce que ça implique également, ces distances, donc ça veut dire qu'au néolithique, les gens maîtrisaient largement la navigation roturière. D'accord ? Ils ne se contentaient pas de suivre le bord de côte pour aller d'un point à l'autre, c'est juste pas possible de traverser sinon. Et ça veut dire également que cette navigation roturière, ils la faisaient sans repère. L'horizon optique, quand vous êtes au sol, ou quand vous êtes sur un bateau, si vous n'avez pas de relief, donc mettons la mer, vous voyez, votre horizon s'arrête à peu près 4,5 km, 5 km. Vous ne voyez pas au-delà. Sauf s'il y a un relief au fond, évidemment, mais si vous êtes trop loin, vous ne voyez pas. Donc ça veut dire que une traversée de 80 km comme ça se fait forcément sans repère au sol, autre que la mer et les étoiles. Donc une maîtrise complète de la navigation. On a fait des... Alors le problème qui se pose, c'est quel bateau ils ont utilisé. Comme type de bateau, ce qu'on connaît, c'est les... On connaît bien maintenant, c'est les pirogues monoxyles, donc des pirogues qui sont creusées dans des troncs d'arbres et vidées, donc comme ça. Vous voyez, vous prenez un tronc d'arbre, vous le creusez au milieu, ça vous fait une pirogue. C'est des engins qui sont assez lourds, et là, vous voyez, c'est une expérience qui a été faite dans les années 80 par une équipe tchèque qui a traversé depuis, depuis la Croatie jusqu'au golfe du Lion, avec une pirogue comme ça, et bon, ça marche. D'accord ? Ça marche. Sous réserve, alors là, il n'y a pas de système de mât ni de voile, et ça ne transporte pas grand-chose. Le problème, c'est que quand le néolithique il se déplace, quand il arrive dans un endroit, et notamment dans les îles, il arrive avec son bétail, notamment. Et si vous mettez une vache là-dedans, je vous souhaite bon plaisir pour la traverser. Quoi. Ça ne va pas être spécialement agréable. Et d'autant plus que quand vous allez coloniser une île avec vos animaux domestiques, ce n'est pas une vache qu'il vous faut, hein, mais c'est un troupeau. Donc ça implique soit des allers-retours réguliers pour que ce soit viable, soit un apport assez... passif, entre guillemets, hein, d'animaux. Le problème aussi, alors un mouton, une chèvre, un cochon, c'est moins compliqué. Le problème des bovins, c'est qu'un bovin, c'est pareil, ça ne peut pas traverser couché. Vous ne pouvez pas l'entraver, par exemple, et lui faire traverser pendant 10 heures couché, sinon votre bestiole, il meurt. Simplement à cause du système digestif des bovins. Donc les vaches, et c'est ce qu'on voit par exemple sur cette photo actuelle, hein, ça voyage debout. Donc voyager une vache debout dans une pirogue monoxyle, c'est assez peu probable. Alors le problème, c'est qu'en Méditerranée, on ne connaît aucun vestige de bateau préhistorique. S'il y en a, on ne les a pas trouvés encore. Donc en fait, on est dans le flou le plus complet pour savoir quels étaient les types de bateaux qu'ils pouvaient utiliser. Plusieurs auteurs ont proposé des choses qui peuvent ressembler à ce qui se faisait en Nouvelle-Calédonie il n'y a pas si longtemps, à savoir deux pirogues qui sont couplées et pontées, et avec un système de voile. D'accord ? Et donc avec ça, vous pouvez plus facilement déjà mettre plus de choses sur votre bateau et traverser sur des grandes distances. Bon, mais après ça, c'est totalement putatif, quoi. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est quels qu'aient été les moyens qu'ils ont utilisés pour traverser, ils ont traversé et ça n'était pas un problème pour eux de coloniser les îles. Alors maintenant, donc cette voie méditerranéenne, en fait, elle mixte à la fois du déplacement terrestre et du déplacement marin. Alors après, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que c'est qui se déplace ? Est-ce que c'est le concept de néolithique ou est-ce que c'est vraiment des gens, une vraie migration qui va se mettre en place pour cette diffusion ? On va regarder ce qui se passe ici dans le bassin occidental. Et où vous voyez, donc c'est le tout premier néolithique, il apparaît dans le sud de l'Italie et en Sicile, vers 6000, 5008 avant notre ère, 5006. Mais très rapidement également, on voit quelques sites le long de la côte, dans le sud de la France, autour de 5008, 5006. Les sites dont on va parler se situent ici, là, aux côtés de Béziers. Et c'est quelque chose qu'on connaît
Ce sont des sites qui sont très peu nombreux, on en connaît une dizaine, pour tout vous dire, hein, en France, des sites de cette période-là. Mais cette petite dizaine de sites est quand même particulièrement intéressante, puisque sur le site ici, donc à Béziers de Perros-Signado, on a une implantation de colons néolithiques, j'ai spoilé la fin, une implantation néolithique autour de 5008 avant notre ère, de gens qui utilisent pour leur outillage lithique, pour leur couteau, leur outillage quotidien, de l'obsidienne, donc qui est un verre volcanique naturel, obsidienne qui vient de Sardaigne, dans le sud de la Sardaigne ici, et de Palmarola. La composition chimique de ces obsidiennes démontre que c'est de là que ça vient. Donc ça veut dire que ces gens qui sont là sont connectés déjà avec les îles qui sont ici à plus de 1200 km à vol d'oiseau et qui sont venus s'installer en conservant avec eux un outillage qui est fait dans cette matière très particulière. On a également d'autres indices. Alors c'est un autre site qui est sur la même commune que le précédent, mais à quelques centaines de mètres, qui est donc Podrocaute, où là, on a des gens qui ont utilisé de l'obsidienne, qui viennent de Palmarola, et ils ont également fabriqué une céramique ici, dont les inclusions à l'intérieur de la céramique démontrent qu'elle a été fabriquée sur cette île ici. Enfin, en tout cas, que les terres utilisées proviennent de cette île qui est là, sur l'île du Giglio. Voilà, donc c'est vraiment des gens qui sont venus, en fait, avec dans leur bagage, toutes des choses qui ont été produites en Italie centrale. Et qui sont venus également, dans ce cas précis, également avec les caprins. Ils avaient des caprinés avec eux qu'ils ont transportés jusque sur le site de Portiragne. Et tous ces éléments, mis bout à bout, nous disent qu'en fait, on a probablement un déplacement direct de colons depuis l'Italie centrale, alors pas forcément depuis Giglio lui-même, hein, mais en tout cas de cette zone ici, qui sont venus en bateau directement s'installer à Portiragne. Okay. En fait, c'est vraiment des groupes de colons. Ils se déplacent avec tout leur bagage et leur savoir-faire. Et en fait, ça va même plus loin que ça, parce que je vous disais que ces tout premiers colons s'installent principalement en bord de mer, sur la côte. Donc, vous voyez là les sources d'obsidienne et leur diffusion à cette période-là. Et cet été, donc sur une fouille que je fais en Aveyron, ici, on a trouvé un fragment d'obsidienne aussi. Vous voyez, une petite lamelle d'obsidienne qui vient ici, de la Sardaigne également, à une date encore plus ancienne que celle des tout premiers sites néolithiques de Portiragne. Ça veut dire que, un tout petit peu plus ancienne, donc on peut considérer qu'elle est à peu près contemporaine, voire peu de temps avant. Et donc on est à 130 km linéaires des premiers sites néolithiques connus. Voilà, donc ça veut dire que les gens, ces colons, quand ils arrivent, ils s'implantent à un endroit, mais très rapidement, ils explorent, ou en tout cas, ils sont en contact avec des groupes qui peuvent être éloignés de plus d'une centaine de kilomètres également. L'intérêt de cette découverte, qui n'est pas anecdotique, hein, mais c'est la première fois qu'on en trouve à l'intérieur des terres, son intérêt là, à Roquemissou, c'est que elle est associée à des restes humains, elle est associée que à ça d'ailleurs, ce qui fait qu'on a des analyses actuellement sont en cours d'un point de vue paléogénétique pour savoir si ce monsieur qui est venu mourir à Roquemissou, à côté de Rodez, était un colon néolithique originaire d'Italie, ou au contraire, qui à ce moment-là serait parti en exploration, en quelque sorte, on va dire, à l'intérieur des terres, ou au contraire, si c'est un chasseur mésolithique avéronnais qui allait prendre des vacances au bord de mer et qui a rencontré les premiers néolithiques qui arrivaient, d'accord, et à ce moment-là, qui ont échangé. Et alors justement, la paléogénétique qui se développe beaucoup là, depuis quelques années vient confirmer encore tout ce scénario, le fait que ce soit vraiment des colons qui se déplacent, avec ici, sur cette première carte, donc en fait, ils analysent en fait, le bagage génétique des os qu'on a retrouvés, des squelettes, et ici, vous voyez, alors en fait, le détail, on s'en fiche un peu, mais ici, c'est les chasseurs-collecteurs, vous voyez qu'ils sont tous avec des lignées, qu'on va dire, bleues ou violettes, donc ils sont les lignées autochtones dans toute l'Europe. Et quand le néolithique arrive, on voit que les lignées n'ont strictement plus rien à voir et qu'en fait, c'est des lignées qui sont liées
à ce qui se passe en Anatolie ou au Proche-Orient. En fait, la génétique, si vous voulez, vous montre la progression du néolithique, comme ça, qui petit à petit, une fois qu'ils sont arrivés, vont progressivement intégrer les populations mésolithiques. Hein, on va retrouver des choses mixées entre les deux. Mais on n'a bien aucun lien direct d'héritage entre les populations mésolithiques et les populations néolithiques. Donc on est vraiment dans un système de déplacement de personnes qui vont migrer vers un nouveau territoire. Donc, pour résumer un peu tout ça, donc je vous ai mis un peu les différents arguments, les principaux arguments qu'on retrouve, à savoir que on a à chaque fois, donc, pour ce qui concerne la Méditerranée, une première phase pionnière donc d'arrivée du néolithique qui se fait par le déplacement de groupes, dont on ignore la taille, mais sans doute pas très nombreux non plus, mais qui viennent s'installer dans un nouvel endroit, et dont le bagage culturel et de technique et idéologique de ces nouveaux groupes est en rupture totale avec le bagage culturel des groupes là où vont s'installer, donc des groupes de chasseurs-collecteurs. C'est vraiment, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un autre monde. Et ces nouveaux arrivants arrivent également donc avec tout ce qu'on a appelé un package, c'est-à-dire tout un ensemble de savoir-faire, de traditions qui sont liées directement à leur zone d'origine. D'accord ? Ils arrivent avec tout un tout qui s'applique, qui redéploie là où ils arrivent à nouveau. Donc en fait, tous ces arguments démontrent que tout au long du néolithique méditerranéen, en fait, d'une migration assez massive quand même, parce qu'on la voit très facilement, de populations d'ouest en est. Et dans le cas précis de ce néolithique méditerranéen, il entraîne donc une augmentation de la population globale, et on voit également, donc, d'un point de vue archéologique, au niveau des traditions techniques, comme d'un point de vue paléogénétique maintenant, il commence à le sortir, aussi que donc les populations néolithiques, mésolithiques autochtones, se sont progressivement fondues, on va dire, dans les populations néolithiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment des phénomènes de mixité qui se mettent en place. Alors c'est pas partout, on arrive à le démontrer que vraiment des tout petits endroits pour l'instant, mais on le démontre quand même. Donc il y a des endroits, ils n'ont pas du tout interagi de manière positive, hein. Soit que les chasseurs autochtones aient pu partir, soit qu'ils ont on n'a pas de traces de violence, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas eu non plus. Mais toujours est-il qu'à terme, il y a quand même de la mixité qui se fait entre ces deux mondes. À terme, au bout de quelques siècles, voire millénaires, toutes les traditions mésolithiques, enfin les mésolithiques, est appelé à disparaître. Hein, le déploiement du néolithique est inéluctable dans cette région. Donc ça, en gros, c'est pour résumer un peu cette histoire. C'est un peu la même carte que tout à l'heure, mais vous voyez, donc avec notre voie méditerranéenne, donc, qui massivement suit les côtes, mais on a quand même des incursions de colons qui peuvent faire des très grandes distances, comme on a vu par exemple entre l'Italie centrale et Béziers. On a également des occurrences dans le pays valencien. Voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent être des incursions qui peuvent être très lointaines par moment. Et puis, donc, on part quelque part de 6600, 6800 ici dans les Balkans pour arriver donc vers 7400 au Portugal et en Afrique du Nord. Mais ce déploiement du néolithique, donc, ça veut dire que les gens, quand ils se sont déplacés comme ça, ils se sont adaptés à tout un tas d'environnements différents, qui restent un environnement méditerranéen au sens très large du terme, mais ils ont pu adapter leur savoir-faire à des milieux très différents. Mais ce n'est pas non plus totalement inéluctable. Et il n'y a pas que le milieu qui rentre en compte. Et par exemple, vous voyez que sur cette carte, le néolithique n'est pas du tout touché l'Afrique du Nord, enfin le Maghreb oriental, on va dire, Algérie, Tunisie. Ils sont attestés au Maroc et dans la région d'Oran. Et on sait qu'ils sont passés par le détroit de Gibraltar pour arriver ici. Mais par contre, dans cette région ici, les premiers indices de domestication animale, par exemple, ils sont 2000 millénaires plus tard. Donc pendant 2000 ans, les gens, là, ils sont restés chasseurs-collecteurs de tradition mésolithique. Donc il peut y avoir également des refus, plus ou moins, des refus de diffusion de cette néolithisation.
On va revenir sur cette zone tout de suite. Donc en regardant le second exemple, donc là ce dont on parlait, on était sur cette transition ici entre le mésolithique et le néolithique. Et là en fait on va regarder ce qui se passe sur cette transition ici, qui est quelque chose de plus discret, déjà simplement par le fait qu'on va rester dans des traditions de chasseurs-collecteurs. Vous voyez toute cette grande rectangle vert. On est dans un monde dont les modes de vie restent plus ou moins les mêmes. On reste dans les chasseurs, collecteurs, nomades, semi-nomades, etc. Alors qu'entre le mésolithique et le néolithique, on a un changement de mode de vie. Donc ça, je vais passer très vite. C'est juste pour vous montrer donc, les sites qui sont connus de ces périodes-là, où en gros, le bassin de la Méditerranée se scinde en trois grands ensembles culturels, on va dire, avec des choses qui sont sur la France et l'Italie et la Croatie, avec les mêmes traditions techniques, du point de vue notamment des productions lithiques, donc toute la façon de tailler le silex et de fabriquer des outils en pierre, est globalement cohérente sur toute cette zone ici. Par contre, elle est très différente de ce qui se passe dans les Pyrénées, Vallée de l'Èbre et les îles, et l'Italie du Sud également, et la Grèce. Donc on a dans toute cette bande centrale de la Méditerranée, on a des façons de produire les outils en pierre qui sont totalement différentes de ce qui se passe dans le sud de la France. Donc une espèce de, on appelle ça des technocomplexes. Voilà. Et en Afrique du Nord, on a quelque chose qui est encore totalement différent. Donc on a une sorte de tripartition selon la latitude de la Méditerranée à cette période-là. Et alors là, pour l'exemple on va rester sur le sud de la France, mais on pourrait décliner le même exemple dans les deux autres zones, hein, évidemment. Dans le sud de la France, au Mésolithique, ce qu'on appelle maintenant le premier Mésolithique, la façon de produire des outils en pierre, elle consiste à utiliser des ressources qui sont des ressources de silex. Alors le silex, il y en a un peu partout, il est de qualité très différente. Dans cette première phase du Mésolithique, les gens utilisent des silex qui sont à côté de chez eux, des silex locaux, ils vont utiliser des techniques de percussion par ce qu'on appelle la percussion directe, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre un percuteur et puis vous allez venir frapper votre nucléus, votre bloc de silex, de manière tangentielle, pour en produire des petites lamelles, comme ça, qui sont des choses que vous voyez à l'échelle, hein, ça fait 2-3 cm. Et de ces petites lamelles, ils vont fabriquer des armatures de projectiles qui sont en forme de triangle, si vous voulez, en quelque sorte, et qui peuvent être des choses extrêmement petites. Hein, y en a qui font à peine 5-6 mm de long. Et ces armatures de projectiles, ils vont les monter sur des hampes en bois qui vont ensuite, d'une manière particulière, qui vont ensuite permettre d'avoir des flèches pour aller chasser. Okay, donc tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière homogène, donc je vous ai dit, sur toute la France, l'Italie, la Croatie, à cette période-là. Et puis, on a un changement complet avec ce qu'on appelle le second mésolithique, où là, les gens vont aller tailler vont prendre des matières premières, ils vont aller chercher des matières premières de bonne qualité, alors que les autres, en fait, ils prenaient un peu tout ce qu'ils avaient sous la main, et ils vont se mettre à produire donc des grands outils, vous voyez, des grandes lames ici. On a des choses qui peuvent atteindre 7, 8, 9 cm de long, assez épaisses, qui vont utiliser d'une façon qui n'avait jamais été utilisée auparavant, et sur lesquelles ils vont produire des types de pointes de flèche qui sont totalement différents de celles précédentes, de l'étape précédente également. Alors vous me direz que ça fait des changements dans l'industrie lithique, c'est pas grand-chose, mais en fait, les changements dans l'industrie lithique, derrière la façon de produire, il y a des schémas mentaux qui sont extrêmement définis, qui sont propres à chaque groupe. Hein, donc on ne fait pas n'importe quoi quand on traite du silex, on fait ce qu'on a appris déjà. Donc il y a une tradition culturelle derrière. Et il y a des normes, plus ou moins des normes mentales à respecter par ces tailleurs. Et surtout, ce qui est particulièrement frappant également ici, c'est que derrière chacun de ces deux modes de production, on a des schémas mentaux qui sont totalement différents. Des schémas conceptuels pour tailler la pierre qui sont totalement différents. Et le plus troublant, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas d'éléments mixtes. On n'a pas de site où on voit progressivement les gens se mettre à abandonner cette façon de débiter pour passer à celle-là. Ça se passe d'un coup. Ça se passe d'un coup. Cette série de cartes, donc vous voyez les cartes les plus anciennes, donc c'est les cartes où on voit apparaître cette nouvelle façon de tailler le silex à lame large. Donc vous voyez que les plus anciennes occurrences sont en Italie du Sud et en Sicile, et puis que ça se diffuse en Méditerranée,
et puis après ça gagne l'intérieur des terres. Cette expansion de cette façon de tailler le silex se fait quelques siècles avant la diffusion du néolithique, puisque vous voyez les pointillés rouges qui sont là, sont le front de néolithisation qui avance en même temps, les deux phénomènes étant culturellement disjoints. Et donc en fait, le plus intéressant là-dedans, c'est ce qu'on a appelé ce flash méditerranéen ici, c'est-à-dire que d'un seul coup, aux alentours de 6500 avant notre ère, alors que personne ne faisait comme ça avant, d'un seul coup, pouf, tous les sites qu'on connaît se mettent à débiter le silex de cette manière-là, sur les franges de la Méditerranée. Et après, par contre, ils le font tous de la même manière. Et après, par contre, quand ça va diffuser à l'intérieur des terres, ça va être le même esprit, ils vont essayer de faire les mêmes choses, mais de façon un peu recomposée, quoi, adaptée. Bon, voilà, ça c'est un autre exemple de la façon dont ils taillent le silex. En fait, vous voyez, donc ça c'est des nucléus, donc c'est ce qui reste une fois qu'ils ont produit leurs lamelles et fait leurs armatures de pierre pour les lames, pour les armatures, pour les flèches. Et cette façon de tailler le silex ici, notamment, c'est aussi, alors qu'avant, au premier mésolithique, les gens taillaient le silex en tapant tangentiellement avec une pierre ou avec un bois sur les autres, là maintenant ils utilisent beaucoup le débitage par pression. C'est-à-dire qu'en fait, vous calez votre bloc de silex au sol, entre vos pieds, et simplement avec le poids du corps, par l'intermédiaire d'une béquille, simplement en pesant sur le silex, vous pouvez débiter, produire des lamelles comme ça, extrêmement régulières. Okay. Cette façon de faire, ce schéma-là, c'est ce schéma qu'on retrouve partout en Méditerranée, donc c'est la patate numéro 2, là, sur les rives de la Méditerranée, de manière vraiment similaire autour de 6500 avant notre ère. Et du coup, tous ces arguments, donc le fait qu'on ait ce flash en quelque sorte, cette apparition extrêmement soudaine et cohérente d'un point de vue spatial, le fait qu'on soit dans une rupture technologique qui est complètement, enfin une vraie rupture majeure, qu'on n'ait pas d'indice d'évolution de l'une à l'autre, et que cela se répète dans tout le bassin ouest méditerranéen de manière similaire, tout ça laisse penser qu'on peut être face aussi à une petite migration de gens qui, venant de quelque part, se déploient dans toutes les rives nord-méditerranéennes et se mettent à produire le même type d'industrie. Et par contre, pour les étapes 3 et 4 qui sont sur la carte ici, les gens vont essayer de faire, vont refaire un peu la même chose, le même esprit, mais de manière différente. Donc on a une adaptation locale. Et on voit un temps de pause aussi entre l'étape 2 et l'étape 3, autour de 6400 avant notre ère, qui montre que s'il y a eu une migration, elle s'est arrêtée, et qu'en fait les gens se sont intégrés dans les populations locales, mais qui ont progressivement adopté leur façon de faire. Et donc, dans un premier temps, on aurait une migration sur la Méditerranée, mais qui ensuite laisse place à une diffusion simplement de concepts, avec des réadaptations de cette façon de faire sur le reste du continent. Alors la question qu'on peut se poser aussi à partir de ça, c'est si on a une migration qui vient s'étendre sur la Méditerranée occidentale, c'est d'où viennent ces gens? Alors il y a deux hypothèses qui sont en discussion. La première, c'est l'Afrique du Nord justement. C'est cette zone ici où je vous disais tout à l'heure que quelques siècles après, le néolithique ne se déploiera pas. Dans cette zone ici, donc où on est dans l'est de l'Algérie et la Tunisie, on connaît une densité de sites assez exceptionnelle. Il y a une grosse implantation humaine à cette période-là. Et ces gens, donc ce qu'on appelle donc le Capsien supérieur, bon, ça on s'en fiche, mais produisent le silex exactement de la même manière que ce qu'on verra après, avec l'utilisation de la pression, des grandes lames qui sont en coche comme ça, et des armatures. Donc ça pourrait, en tout cas, c'est cohérent d'un point de vue technique avec ce qui va se faire ailleurs. Et pendant longtemps, on a dit, en fait, l'origine de cette diffusion, elle est dans ce Capsien. Le problème, c'est qu'on a récemment refait pas mal de datations sur ce Capsien, et on n'arrive pas à démontrer une antériorité de la zone soi-disant d'origine par rapport aux rives de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on, pour l'instant, on a démontré que c'était contemporain. C'est les courbes là, avec sur l'échelle du temps, vous voyez qu'en fait elles sont
elles sont quasi similaires, c'est la même amplitude. Et on n'a pas de date qui nous dirait que bah oui, le Capcien a 500 ans plus ancien que le reste et que donc c'est possible, potentiellement une zone d'origine. Donc pour l'instant, on ne sait pas si l'hypothèse Afrique du Nord tient ou pas. Elle peut malgré tout encore être discutée parce qu'il y a il y a très peu de sites qui sont bien datés. Voilà. Donc en fait, la façon de situer dans le temps tous les sites en Afrique du Nord, pour l'instant, elle n'est pas encore suffisamment fine. Alors, l'hypothèse alternative. Donc, pour essayer de trouver l'hypothèse alternative, on peut pister, par exemple, cette façon de débiter, de produire des lamelles de silex par l'usage de la pression, qui est une façon de faire assez particulière. Et ici, sur cette carte, vous avez donc les dates d'apparition du système de débitage par pression, en général, durant ces périodes-là. Donc là, on retrouve notre flash méditerranéen, en quelque sorte, ici l'Afrique du Nord. On a des systèmes de débitage par pression au Proche-Orient beaucoup plus anciens, mais qui sont de la pression, mais qui n'ont rien à voir dans la façon d'organiser le débitage, donc qui sont sans doute sans lien avec ce qui se passe là. On a un gap géographique et chronologique, de toute façon, qui est trop important. Et par contre, on a des indices, ici, dans une zone que tout le monde connaît bien maintenant, un peu plus anciens, a priori, qui pourraient constituer la deuxième hypothèse de zone d'origine. Voilà, donc on aurait potentiellement soit l'hypothèse Afrique du Nord, soit l'hypothèse donc Crimée et mer d'Azov, principalement. Le problème qu'on a pour valider cette hypothèse ici, c'est qu'on on ne connaît aucun site de cette période entre les deux. Hein, donc sur tous les Balkans, on n'a pas de données. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, hein, mais c'est juste qu'on ne sait pas. Et puis dans cette région-là, c'est pareil, les sites sont également assez mal daté, donc c'est difficile de situer dans le temps. Et puis, ça ne va pas s'arranger hein, ça, tout de suite. Donc, pour l'instant, on reste dans l'expectative. Il y a un article qui est paru cette année, ou l'an dernier, je ne sais plus, 2022, en fin d'année. Donc, cet article, c'est à nouveau sur de la paléogénétique. Ce qu'il faut retenir de ces figures un peu ésotériques, c'est qu'on est sur un site en Sicile, ici, au nord-ouest de la Sicile, sur lequel on a des sépultures du premier mésolithique en rouge, du second mésolithique, donc ce qui nous intéresse ici, et après du néolithique et de l'âge du bronze. Et on voit que les squelettes du premier mésolithique, ici, ils ont un bagage génétique qui est cohérent, qui est homogène, qui est représenté en rouge ici, mais c'est en gros le bagage génétique mésolithique local. Et puis, sur les squelettes qui sont de ce second mésolithique, ils ont un héritage local, mais ils ont également, vous voyez, 20% en gros d'héritage qui sont d'héritage génétique qui tracent justement vers les zones de la mer d'Azov et de la Crimée. Donc, dans ce cas particulier, donc c'est un site, un individu dans un site, hein, donc on ne peut pas en faire des généralités non plus, mais on aurait peut-être une concrétisation de que c'est l'hypothèse d'une origine de ce phénomène en Crimée pourrait être validée. Donc pour résumer cette seconde potentielle migration, on aurait donc, voyez, donc soit l'origine ici, soit l'origine ici, avec après des problèmes de transmission à résoudre, hein, où on n'a pas assez de données, et puis donc ce flash méditerranéen qui pourrait correspondre à ce petit mouvement migratoire, qui laisse beaucoup moins de traces que le mouvement, la migration néolithique. Comme je vous disais déjà, parce qu'en fait, on reste dans le monde des chasseurs, donc il n'y a pas de rupture majeure au sein même des sites et dans les vestiges que les gens ont laissés. Et puis, cette petite migration a été très vite assimilée par les populations locales. Donc très rapidement, ils vont disparaître et se fondre dans la masse, en quelque sorte. Alors du coup, pour résumer, j'ai pas du tout fait attention à l'heure, donc je sais pas. Ouais. Pour résumer, vous voyez qu'en fait, à cette période-là, donc des 7e et 6e millénaires, on a des choses extrêmement dynamiques qui se passent en Méditerranée. Donc, comme je vous disais, quelque chose qui peut être discret ici, avec un processus migratoire, s'il se confirme, qui pour le coup serait très limité. Enfin, limité, c'est le bassin occidental de la Méditerranée quand même, mais ça reste sur la frange. C'est que, par exemple, et ce processus n'a jamais atteint les îles. Hein, la Corse et la Sardaigne sont restés à l'écart, par exemple, de cette diffusion.
Et c'est quelque chose qui est très bref et très rapide, donc l'image de flash en quelque sorte, et qui ne vient de toucher qu'un domaine des sociétés préhistoriques, à savoir leur industrie lithique. Mais ce n'est pas toute la société qui est bouleversée. Au contraire, au néolithique, on a, donc ça c'est ce que j'avais appelé dans le titre, en quelque sorte, une sorte de migration invisible, en quelque sorte, en tout cas peu visible. Et par contre, la néolithisation méditerranéenne, la diffusion du néolithique, pardon, c'est quelque chose voilà, qui est ample, qui est massif, qui est long, qui est irréversible, qui entraîne la disparition d'un monde et la création d'un nouveau, qui est le monde dans lequel on est encore actuellement. Hein. Voilà, donc là, on est vraiment dans une vague migratoire, en quelque sorte, qui est massive et qui se double d'une colonisation. Donc, dans les deux cas, je pense qu'on peut effectivement parler de migration préhistorique, mais ce qu'il ne faut pas se laisser abuser par l'aspect très, très massif de ce qui se passe au néolithique. Cette migration ne suffit pas à expliquer la totalité du processus de néolithisation. C'est un aspect important quand même, parce que vous avez des déplacements de gens et de sociétés, mais on ne peut pas résumer le néolithique à ça, et la mise en place du néolithique fait notamment, doit prendre en compte tout le rôle des autochtones, quoi, des chasseurs-collecteurs, où les gens vont venir s'implanter et avec qui ils ont interagi. Donc la migration, c'est l'outil, en quelque sorte, de diffusion du néolithique, mais ça n'explique pas la totalité du processus. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Et puis, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, un site préhistorique, voilà, c'est le site de Roquemissou en cours de fouille. Voilà.